ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Le fait de se désintéresser de ce bas monde, az-zuhd, communément traduit par l'ascétisme, c'est un haut degré en islam, qui est un degré plus élevé encore que al-wara, qui est le scrupule, ou bien la taqwa. Car la taqwa, c'est le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala avec une lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec science, en espérant la récompense d'Allah. Et de délaisser ses interdits avec science, en craignant son châtiment. Al-wara, le scrupule, c'est plus haut que cela. C'est de délaisser même ce qui est douteux, même ce qui n'est pas interdit mais qui est douteux, qui risque de nuire dans l'au-delà. C'est ça la définition de l'wara. Délaisser tout ce qui risque de nuire à la personne dans l'au-delà. Qui risque? Seulement s'il y a un risque. Alors que l'ascétisme, le zuhd, c'est un degré encore plus élevé que cela, car il délaisse les interdits, il délaisse les choses équivoques et ceux qui risquent de lui nuire dans l'au-delà. Mais il délaisse même tout ce qui n'a pas d'intérêt pour lui dans l'au-delà, même si ça ne risque pas de lui nuire. Il suffit que ça ne lui amène pas un bénéfice dans l'au-delà pour qu'il le délaisse.